Hello T-Twice TV number 5! Aujourd'hui, je vais vous présenter notre studio de musique. Alors, suivez-moi. Pour commencer, notre espace détente. Hey. Comme vous pouvez le voir, ça sert toujours. Très important dans un studio. Ici, l'espace guitare. La batterie. Et pour finir, les basses. Moi, je chante de ce côté-là. C'est ici qu'on travaille sur l'ensemble de nos concerts. Et on répète sur le Shot It Twice. Bon, ici, de ce côté-là, nous avons la cuisine qu'on ne peut pas vous montrer. Parce que c'est vraiment le bordel. Et maintenant, vous allez me suivre. On va aller voir le bureau. On appelle aussi salle de contrôle. Parce qu'ici, il y a la table de mixage où sont branchés tous les instruments. Ah ouais. Bon, ici dans cette pièce, comme vous pouvez le voir, on fait beaucoup de travail sur ordi avec de la grosse écoute et tout. Donc c'est vraiment ici que toutes nos chansons prennent forme et sont créées quoi. Voilà. Et quand on a une idée qui coince ou qu'on a vraiment envie de se divertir, il suffit de tourner la tête et voilà notre aquarium et nos beaux petits poissons. Vous voyez ici, ça résume tout. C'est ici qu'on se promène dès qu'on a du temps libre et qu'on a besoin de recharger nos batteries et de prendre l'air. Nous, on a toujours besoin de se retrouver dans des beaux endroits comme ici. Ça nous permet d'avoir d'avoir de nouvelles choses à exprimer et voilà, il faut toujours prendre du recul en fait. Comme les chansons She Was et Memories. She Was and Memories, oui, par exemple, de nombreuses chansons de notre premier album, on les a créées justement en prenant du recul par rapport à ce qu'on fait tous les jours, autre chose. Ça nous donne de l'inspiration et ça nous permet d'avoir plus de création. On les a créées dans des endroits comme ici. Au studio, on bosse jusque très tard, on travaille sur des nouveaux morceaux et on répète aussi énormément sur notre show live, notre nouveau show pour notre premier album. Il y a plein de pollen qui passe autour de nous et je ne supporte pas parce que je suis super allergique au pollen, aux graminées. On va encore te faire piquer par l'infirmière, piquer dans les fesses.